Bonjour tout le monde. Je vais me placer ici. Voilà. Alors Geneviève, on a eu une belle introduction. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui. Oui, parce qu'habituellement, on me dit toujours de baisser le ton. Alors tant mieux, je suis bien content quand je peux parler de ma bonne voix. Alors effectivement, c'est une belle rencontre improbable, ce projet-là, qui a donné un succès assez exceptionnel parce que, comme on le mentionnait, pas de cellulaire de mon côté, puis quelqu'un qui ne game pas. Et finalement, on a réussi à créer un projet assez phénoménal. Donc, on est ici pour vous partager ce succès-là. Veux-tu dire deux mots d'introduction, Geneviève? Bien, écoute, je trouve que tu as l'air vraiment bien parti, David. Oui. Puis, je me suis pris quelques notes. Pourquoi? Parce que c'est pas un aide-mémoire. Nous, les historiens, quand on commence, on n'a pas de break. Donc, si vous ne voulez pas être là jusqu'à 17 heures, bien, moi, c'est plus mes freins. Pour aller là. Enlevez-le pas. Et pourquoi on vient vous parler d'un événement Minecraft? Parce qu'il y a un contexte assez exceptionnel, et je me permets de vous présenter ce contexte-là. Vous allez voir, je vais me prendre un petit 10 minutes pour vous faire un portrait d'où on est parti dans ce projet-là pour bien comprendre le dossier. Et par la suite, bien, vous allez comprendre où on a pris la patente pour essayer d'en créer un événement exceptionnel pour rejoindre un groupe de personnes qu'on ne rejoint habituellement pas en patrimoine et en histoire. Alors, comme on a mentionné, David Gagné, je suis conseiller en patrimoine à la direction de l'urbanisme de la ville de Lévis. Donc, je m'occupe des dossiers de toponymie, je m'occupe des dossiers d'archéologie, et c'est plutôt dans les dossiers d'archéologie que ce projet-là s'est présenté. Et vous allez voir d'où ça émane pour mieux comprendre l'endroit où on veut vous mener. Alors, Geneviève, voici un élément plutôt insolite. Et tout à l'heure, on a parlé de curiosité. Alors, ça rouvre une belle fenêtre publicité parce que je viens de publier un volume qui s'appelle « Curiosité de Lévis » en vente dans toutes les librairies. Et on parle justement du phare numéro 1. Alors, je ferme la fenêtre publicitaire parce qu'on est habitué au pop-up. Alors, c'est peut-être un élément inusité que vous avez peut-être visité ou pas. Levez la main ceux qui ont déjà visité la citadelle à Québec, les fortifications, les tours Martello, ceux qui sont déjà passés par la porte Saint-Jean, porte. Vous voyez, vous avez déjà vu les fortifications de Québec, qui est un élément fondamental dans le patrimoine et surtout la reconnaissance patrimoniale à l'UNESCO de la ville de Québec. Mais il y a de ces éléments-là qui débordent la frontière de Québec et ils se retrouvent à Lévis. Alors, on a à Lévis trois forts qui font partie intégrante du système défensif de Québec. Alors, qui a déjà visité le fort numéro 1 à Lévis? Alors, un peu moins de main, mais je vous félicite parce que vous avez fait une démarche que peu de gens ont fait, même à Lévis. Alors, ça démontre que, malgré leur importance, ces forts-là sont très, très peu connus. Mais on a à Lévis des éléments patrimoniaux assez exceptionnels et ces forts-là, ce sont les dernières constructions militaires britanniques en Amérique du Nord. Et ils sont exceptionnels à plusieurs points de vue. Pourquoi? Parce que ça a été construit à la toute fin de la période coloniale, donc à partir de 1865. Et ça s'inscrit dans une démarche assez inusitée. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, on avait des voisins assez turbulents. Ils le sont toujours. Mais ces voisins-là, ce sont les États-Unis et qui s'étaient entre-déchirés entre deux factions, c'est-à-dire les nordistes, qu'on appelle les États de l'Union, ou plutôt les Yankees, qui, eux, étaient davantage des États industriels, et plutôt les sudistes, les confédérés, qui étaient plutôt des producteurs de coton. Et qui étaient les plus grands consommateurs de coton? C'étaient les filatures qui se trouvaient dans les îles britanniques, donc dans la Grande-Bretagne. Alors, il y avait une alliance entre les États du Sud et la Grande-Bretagne. Et qui représentait la couronne britannique en Amérique du Nord? C'était nous, au Canada, justement. Donc, il y avait des rumeurs à cette époque-là, 1865, que les États Yankees au Nord attaquent la ville de Québec, viennent prendre possession pour pouvoir se venger de la couronne britannique. Et ça, c'était fondé sur des articles de journaux, il y avait des informateurs et tout ça. Donc, la couronne britannique, justement, a pris peur et, justement, ces peurs-là étaient assez fondées. Pourquoi? Parce que les Américains sont déjà venus à deux reprises attaquer Québec. Donc, c'est pour ça qu'en 1832, on avait construit la citadelle. Mais à un moment donné, avec toute l'évolution
de l'armement et les développements en matière de balistique, bien, la citadelle est devenue complètement dépassée, complètement vétuste. Alors, la couronne britannique a fait construire à très, très grands frais des forts comme défense avancée sur le territoire sud du fleuve Saint-Laurent. Alors, je vous les présente, ces forts-là. En bleu, vous avez la citadelle de Québec, qui est de ce côté-ci du fleuve, et du côté sud. Et ça, il y a un élément fondamental qu'il faut comprendre à cette époque-là, et ça l'est toujours aujourd'hui, c'est que Lévis est beaucoup plus importante que Québec. Sauf qu'il y a peu de gens qui l'admettent, alors que voulez-vous, on essaye de ne pas froisser les susceptibilités, mais à cette époque-là, effectivement, blague à part, Lévis était plus importante que Québec. Pourquoi? Parce que c'était à Lévis qu'arrivait le chemin de fer. Il n'y avait pas de train qui arrivait à Québec. Alors, Lévis était relié à la Nouvelle-Angleterre directement par le chemin de fer. Donc, il y avait un vrai danger d'invasion qui était fondé. Alors, la couronne britannique a fait construire à ses frais les forts, dont le fort numéro 1, fort numéro 2 et fort numéro 3. C'est des noms très poétiques qui sont restés. Donc, le fort numéro 1 avait comme fonction de défendre le fleuve, les chemins, la campagne et le fort numéro 2. Le fort numéro 2 avait comme fonction de défendre le fort numéro 1, 2, 3, la campagne. Fort numéro 3 avait comme fonction de défendre le 2, là, et tout ça, vous comprenez le système. Et le fort numéro 3 devait défendre aussi toute la ligne ferroviaire pour le terminus du Grand Tronc qui arrivait, qui était la ligne finale du chemin de fer. Et s'il y avait prise de ces forts-là, alors la citadelle se chargeait de les détruire. Alors, c'était exceptionnel, ce type de plan-là. Et contrairement à Québec, qui a une ligne continue de défense, parce que si on regarde les fortifications de Québec, vous partez d'un point A, puis vous faites le tour de la ville au complet, puis vous revenez, vous avez toujours marché sur des fortifications. Alors qu'à Lévis, c'est le seul exemple de fort détaché en Amérique du Nord. Alors, c'est une défense virtuelle entre les deux. Il n'y a pas de mur qui défend, c'est une défense virtuelle. Alors, c'était vraiment la fine pointe de la connaissance militaire à cette époque-là. C'était vraiment là, quelque chose d'exceptionnel. Et comment se construisaient ces forts-là? Le fort numéro 1 a été construit par l'armée britannique. On voulait se servir de banc d'essai pour construire ces forts-là, pour expérimenter des techniques de construction pour la construction de la forteresse de Gibraltar qui contrôle toute l'entrée de la Méditerranée. Alors, dites-vous qu'on est vraiment dans un contexte international. Ce n'est pas juste un petit conflit local qui importune les gens de Québec. C'est vraiment un contexte mondial. Alors, ces phares-là, c'est vraiment la fine pointe de la technologie. Et comment ça se compose? Vous avez un champ de parade qui est un terrain plat qui ouvre sur des casemates. Des casemates, là, c'est vraiment une construction en maçonnerie, en pierre et en briques, au même titre que vous avez comme à la citadelle. Et ça loge 170 soldats. Et en cas d'attaque, bien, les 170 soldats sortent à pleine vitesse et montent sur un rempart de terre qui est en haut, alors qu'il y a une bonne grande élévation. Et on monte des canons, on monte des fusils, et là, on défend la campagne et tous les endroits environnants. Les canons avaient une portée de 5000, donc ça vous donne une idée là, de la puissance. Là, ce n'était pas des tire-poids. Et si jamais il y avait des soldats qui approchaient le fort, mais pour pouvoir s'en approcher, ils devaient passer à travers un fossé qui était très profond, 27 mètres de profondeur. Donc, 27 mètres, si vous tirez en bas, bien, vous vous retrouvez en marmelade en bas. Donc, c'est assez profond. Et le seul moyen d'entrer dans un fort, c'est à l'aide d'un pont qu'on tirait. C'est un pont roulant sur rail. Alors, on avait pensé à rendre le fort imprenable. Et si jamais vous vous retrouviez dans le fossé, alors là, bien, il y a des ouvrages souterrains qu'on appelle des caponnières. Alors, on part à l'aide de tunnels souterrains. Et Geneviève, si tu pèses, vous allez avoir une super animation. Merci beaucoup. Alors, vous voyez qu'il y a des ouvrages dans les coins qui se retrouvent en sous-sol. Au niveau du fossé, et là, bien, on a des salles de tir au canon et de caronade. La caronade, là, c'est du petit boulet. Alors, des armes antipersonnelles. Donc, on est dans un contexte de guerre. Donc, si jamais il y a des soldats qui se retrouvent au fond du fossé, bien, ils sont transpercés d'un bord à l'autre. Alors, c'est des éléments qui sont imprenables. Et juste à titre d'exemple, on a expérimenté des méthodes de construction à la fine pointe de la technologie. C'est les premières utilisations en Amérique du Nord
de bitume asphaltique, donc de l'asphalte. On se servait de l'asphalte pour faire une couche pour étanchéiser l'ensemble de la maçonnerie. Aujourd'hui, l'asphalte, on en fait des routes, mais le premier usage en Amérique du Nord, c'est sur les forts de Lévis. Alors, c'est pour vous démontrer à quel point on allait chercher des technologies qui étaient vraiment à la fine pointe. Donc, ces forts-là ont eu un destin assez particulier. Merci, Geneviève. Ils n'ont jamais servi. Autant d'argent dépensé, autant de moyens dépensés, ils n'ont jamais servi. Pourquoi? Parce que au moment de la construction, bien, la guerre de sécession aux États-Unis s'est terminée et la Grande-Bretagne et les États-Unis ont signé le traité de Washington qui scellait la paix pour jusqu'à aujourd'hui. Donc, vous voyez, ils n'ont jamais servi la fine pointe de la technologie. Alors, c'est devenu des attraits, c'est devenu des éléments insolites du paysage. Le fort numéro un a quand même conservé une vocation militaire. Pourquoi? Parce que c'était un centre d'entraînement pour la milice. Et jusqu'en 1914, cette base d'entraînement-là était rendue trop petite. On l'a déménagée pour que ça devienne la base militaire de Valcartier. Alors, vous voyez quand même le lien entre les deux. Le fort numéro 2, bien, a été complètement abandonné. Il a servi de terrain de baseball et on l'a transformé aussi comme ferme de champignons. Et on l'a rasé en 1965. C'est devenu le siège social de l'Assurance générale Desjardins. Et le fort numéro 3, lui, il a un destin plutôt insolite. Au moment de sa construction, on ne l'a jamais complété et on a utilisé les terrains pour s'en servir comme première station de quarantaine animale en Amérique du Nord. Vous savez, on a appris dans notre histoire que les immigrants qui rentraient ici au Canada devaient arrêter à la Grosse Île comme station de quarantaine, alors pour éviter toutes les propagations de maladies infectieuses. Alors, chez les animaux, c'est la même chose. Lorsque un éleveur achetait du bétail, alors les animaux devaient s'arrêter à cet endroit-là pour faire une quarantaine. Alors, tous les plus beaux spécimens de bovins, de moutons, de chevaux qui ont fait les grands élevages de l'Ouest canadien et surtout des États-Unis ont transité par le fort numéro 3. Et en 1914, l'armée a exproprié la quarantaine animale pour se servir de la vocation militaire qui n'est jamais arrivée. Alors, le fort a été abandonné et c'est devenu une cimenterie. Donc, ce beau fort-là, construit à grands frais, est devenu une cimenterie et cette cimenterie-là a cessé ses activités en 1998. Quand même, c'est assez récent. Et le terrain a été racheté par un promoteur, une compagnie privée, puisque c'est un terrain d'exception. Parlons-en, puisque les forts ont été construits sur les trois plus hauts sommets de Lévis pour avoir une bonne vue. Alors, lorsque vous êtes sur ces terrains-là, vous êtes quand même sur des terrains tout à fait exceptionnels. Vous avez un paysage qui s'offre sur l'ensemble de la région. C'est magnifique. Alors, lorsque vous voulez construire quelque chose à partir d'éléments assez insolites, bien, vous avez un spot assez exceptionnel pour vous développer. Donc, le promoteur a investi beaucoup de sommes pour essayer de conserver ces éléments-là, mais le temps a fait son travail et les structures qui n'ont jamais été faites pour être exposées à l'air libre ont été abandonnées. Et malgré tous les choix de conservation qui ont été faits, alors le propriétaire a été résolu à faire une demande de démolition à la ville de Lévis. Donc, ça a été un débat déchirant à la ville. Et ça se retrouve encore dans ma cour parce que, comme historien, j'ai un mandat un peu ingrat à la ville de Lévis. Je suis aussi secrétaire du comité de démolition. Donc, on peut en rire. On ira blaguer autour d'un verre à un moment donné. Mais bon, on a décidé d'allier les deux dossiers, le volet archéologique et le volet démolition, parce que tout le monde était conscient de la valeur historique patrimoniale exceptionnelle de ce lieu-là. La charge historique, elle était très, très forte. Par contre, au niveau strictement structurel, il était impossible de sauvegarder les vestiges. C'était des questions de millions et de millions uniquement pour sauver une infime partie. Donc, la ville de Lévis a malgré tout accepté la demande de démolition avec des conditions très, très, très sévères pour le propriétaire, dont celle de récolter le maximum d'informations pour pouvoir documenter le site et d'aller rechercher le plus grand nombre d'informations tout au long des travaux. Alors,
ça n'a pas été de la démolition, mais plutôt du découpage. Alors, avant même d'arriver à cette scène, la ville de Lévis s'est alliée au ministère de la Culture, qui gère généralement le volet archéologique au Québec, mais aussi est allée chercher l'expertise de Parc Canada. Et pourquoi Parc Canada? C'est que les forts ont une reconnaissance fédérale. Il n'y a pas seulement le fort numéro 1 qui est propriété de Parc Canada, c'est que les sites du fort numéro 2 et du fort numéro 3 font partie du lieu désigné des forts de Lévis. Alors, la connaissance, alors, elle se trouvait au niveau de Parc Canada. Alors, c'était la première fois qu'il y avait un représentant de la ville, un représentant du ministère de la Culture, un représentant de Parc Canada et un représentant du propriétaire. Pourquoi? Parce que le propriétaire était tout à fait ouvert et volontaire à ce qu'il y ait des travaux de recherche historique et archéologique, parce qu'on on est tombé vraiment sur quelqu'un qui est un mécène en histoire et en art visuel également. Alors, quelqu'un qui était très ouvert. C'est la première fois au Québec où on retrouvait les quatre partenaires assis à la même table pour travailler dans le même sens. Alors, lors des travaux de démolition, il y a eu beaucoup de recherches, beaucoup de documentation. Alors, on s'est retrouvé avec une somme de documents, une somme de rapports qui était extrêmement intéressante au point de vue scientifique. Mais pour quiconque a déjà lu un rapport de fouilles archéologiques, c'est plutôt indigeste pour le commun des mortels. Alors, il fallait essayer de trouver un moyen intelligent pour pouvoir rejoindre le plus grand nombre possible de gens pour les intéresser à cette histoire-là. Et tout le monde autour de la table était convaincu que c'était une histoire exceptionnelle. On avait là en main quelque chose d'exceptionnel. Alors, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On fait une exposition? Ouais, on a des briques, on a des pierres. C'est pas ce qu'il y a de plus intéressant et ce qu'il y a de plus pédagogique. Ah, on va faire une conférence. Ah, ça va être intéressant. On va avoir les mêmes personnes qui viennent à chaque conférence. Ouais, c'est vrai. Et il y en a un qui, autour de la table qui a dit, ça serait le fun d'intéresser les jeunes parce que c'est nos porteurs d'histoire, c'est nos porteurs de patrimoine plus tard. Alors, si on ne les intéresse pas, alors ils ne pourront jamais s'intéresser à ces choses-là. Alors, tout le monde était d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait une pièce de théâtre avec des mimes pour mimer le fort. C'était pas très, très, très intelligent. Alors, on s'est dit, on a besoin d'aide, on a besoin de ressources et on a besoin d'idées vraiment exceptionnelles pour un lieu exceptionnel. Alors, c'est pour ça qu'on a fait appel à des gens exceptionnels. Et là, je cède la parole à Geneviève. Oui. Donc, c'est la journée où David m'appelle puis qu'il me raconte tout ça. David, il raconte bien hein, l'histoire. Non, mais jamais vous avez trouvé ça aussi passionnant, je suis sûre, les forts de Lévis. Mais, tu sais, pour présenter ça à des jeunes, bonne chance. Tu sais, on a regardé ça et on s'est dit, bon, dans le fond, OK. Dans le fond, c'est l'histoire d'un truc exceptionnel qui n'a jamais servi puis qui a été démoli. Puis, franchement, tu as passé un petit peu vite sur la partie où est-ce qu'on squattait carrément l'espace. Ouais, c'est pas fort, fort. Nous autres aussi, on s'est vraiment creusé la tête avec Marie-Ève Brisson, qui était ma compère dans cette aventure-là. Puis là, je me suis souvenue d'une conférence que j'avais vue. C'était un monsieur qui s'appelle Adam Clark, un Anglais. Hein, tu sais, encore, on revient. Hein? Et puis, lui, il avait reproduit en Minecraft toute la ville de Londres dans les années 1600, je crois. Donc, donc avec une grosse gang de gamers, il avait passé je ne sais pas combien de jours là-dessus. Puis là, il avait mis le feu à la ville pour reproduire The Great Fire of London. J'ai trouvé ça inspirant. Puis là, j'ai dit, « Ouais, David, ça te tenterait-tu qu'on fasse un événement à la place? » David n'avait pas l'air aussi enthousiaste que moi. Il a quand même embarqué, mais je pense que vraiment, il ne savait pas dans quoi il s'embarquait. Puis honnêtement, nous autres non plus. Moi, je suis habituée d'organiser des événements. J'organise Museumix, qui est un regroupement, un événement avec beaucoup de bénévoles, avec beaucoup de créativité, de la co-création. Ça, je pense, j'avais le sentiment que je le maîtrisais. Faire des budgets, gérer un projet, ça aussi, c'est pas mal mon travail de tous les jours comme muséologue. Par contre, Minecraft, un petit peu moins. Tu sais, je joue pas, moi, aux jeux vidéo, hein, mais maudit, l'idée était pas assez.
qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que vous savez ce que c'est Minecraft? Bien, pour ceux qui ne savent pas, le Minecraft, là, c'est un jeu qu'on appelle un jeu de type bac à sable. Ça veut dire là, qu'il n'y a pas de but dans ce jeu-là. C'est comme si vous aviez une piscine olympique remplie de blocs Lego, de un par un par un, les 4-4, là, les 2-2, puis que vous construisiez à l'infini avec ça de façon virtuelle. Ça, c'est la version simple de Minecraft. Fait que dans le fond, avec un jeu de blocs Lego, bien, on fait bien ce qu'on veut. Hein? Si ça nous tente de nous raconter une histoire, on l'a fait. Si ça nous tente de reproduire la Tour Eiffel, on l'a fait. Si ça nous tente de tuer des zombies, bien, on peut en faire apparaître, puis on va tuer des zombies. Fait que là, on se lance là-dedans. Fait que là, je dis, David, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un événement d'une journée où on va rassembler une 60aine de jeunes entre 8 et 14 ans. On va faire toute une mise en scène, là. Tu sais, avec pièces de théâtre, il va y avoir des activités aussi, tu sais, de construction de voûtes en fromage. Il va y avoir de la course à relais. Il va y avoir... Mais qu'est-ce qu'ils vont faire pendant toute cette journée-là? Ils vont construire le fort numéro 3 en gang. Fait que là, on a tout séparé ça en 10 secteurs séparés. Là, tu sais, on voit un peu le plan, là, les casemates, les fossés, tout ça. C'était tout coupé en 10. Chacun s'était séparé en différentes équipes. Et puis, au bout de la journée, là, tu vas voir le fort numéro 3 reconstruit. Ça, c'est ce que je lui ai vendu. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce que t'as dit? Ben, tu peux le dire. Ah, il dit, laisse-moi y penser. Fait que là, tout d'un coup, j'ai eu l'impression d'être comme une mini Ubisoft dans mon salon qui décide de se lancer dans un Assassin's Creed à presque moi toute seule. Franchement, là, c'était assez intense parce que, évidemment, je ne connaissais pas le jeu. Donc, j'apprends le jeu. J'écoute à peu près 75 000 petites vidéos de YouTube pour savoir comment ça marche, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Puis là, moi, je voulais là, que les jeunes, là, OK, c'est l'été, je fais que j'avais un peu de temps, là. C'est plus tranquille au bureau dans l'été. Fait que je me suis vraiment lancée à fond. Puis là, moi, je voulais que les jeunes, là, ils sentent vraiment là, qu'ils rentrent dans le monde, là. Que ça soit vraiment fait comme un vrai jeu vidéo. Là. Je suis dans Ubisoft. Là, hein? Fait que là, je dis, là, il faut qu'on refasse la topographie exacte de Lévis au mètre près en Minecraft, tu sais, en bloc Lego, là. Hein? Faut toujours vous imaginer ça comme ça. Puis là, franchement, j'importe des données de la NASA, je réussis à hacker le système. Là. Je connais rien là-dedans, là. Je suis pas programmeuse pour 2 cents, je suis muséologue, hein, je vous le rappelle. Là, réussir à faire ça, bon, ouais, là, c'est pas pire, là, mais c'était pas comme ça, Lévis, là. C'est pas un terrain avec juste du gazon puis un gros fleuve à l'autre bout, là. Non, il y a des maisons dans ce temps-là. Puis, tu sais, dans le fond, si je veux leur expliquer aux jeunes le contexte d'implantation du fort numéro 3, bien, il faut que je fasse les maisons. S'il y avait une forge à cet endroit-là, s'il y avait un marécage, une forêt. Fait que là, je me mets tout à construire les petites maisons exactement comme sur les plans que tu m'avais fournis. C'était des plans d'assurance de 1864. Tu sais, ça donnait bien. C'était comme l'année d'avant, là. Là, commence à reconstruire toutes les petites maisons, tatata, s'il y a une petite forge, mets un petit peu de feu, tu sais, avec une enclume, tout le kit, là. On le refait, là, total, là. Oh, il y a mon fils de 7 ans qui m'a aidé quand même. Puis le fils d'André aussi, qui m'a appris à jouer à Minecraft au début, là. Donc là, on refait tout ça au complet. Bon, là, une affaire est faite. Bon, maintenant, il faut le scénariser, ce jeu-là. Il faut faire des budgets. Tu sais, c'est comme faire un vrai jeu vidéo, là. Fait que là, faut que tu scénarises, tu fasses les budgets, tu trouves des commanditaires. Il a fallu qu'on trouve on s'occupe des communications, design graphique, design d'espace. Parce que là, nous, on voulait faire comme un jeu grandeur nature. Là, il y avait des grosses tentes de prospection, tu sais, pour que les jeunes ils se sentent vraiment comme les vrais ouvriers à l'intérieur du jeu, mais aussi à l'extérieur. Fait que ça, c'était comme la base de toute la patente. Oups! Voilà. Hein? Fait que ça a eu l'air de ça, au bout du compte. La question, c'est, est-ce que ça vaut la peine de se forcer autant pour créer un jeu qui va durer une journée? Hein? On s'entend que c'est beaucoup de travail, ça a pris des mois pour un événement. Bien, on l'a su le jour J. Puis je pense qu'on en a tous douté jusqu'au jour J. Hein? Absolument. En fait, pas si pire, parce qu'une semaine et demie avant l'activité qui se déroulait pendant les Journées de la culture, déjà, là, c'était sale comble. C'était plein, plein, plein. J'avais déjà une liste de 15 jeunes
en attente, en plus des 60 jeunes qui étaient déjà inscrits, là. Puis je pense que la ville de Lévis, aux communications, ils n'en pouvaient plus de recevoir des appels, là. Ils m'ont comme fait savoir que, Geneviève, franchement, tu pourrais comme arrêter toute forme de publicité. Vraiment, on a réussi à attraper comme une espèce de petit... à prendre les jeunes parce qu'ils aiment vraiment, là, pour les introduire à un autre sujet qui les intéresse. Ils aiment ça, dans le fond, de l'histoire. On est vraiment plein de préjugés à s'imaginer que les jeunes, oh, les affaires d'histoire, ça ne nous intéresse pas. Non, c'est pas vrai. Ils aiment ça. Donc, puis, écoute, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont déjà organisé des événements, là, mais tous les jeunes étaient présents 5 minutes avant le début de l'activité. Il n'en manquait pas un seul. Avec des yeux gros comme ça, là, puis ils ne pouvaient plus, il y avait les doigts là, qui shakaient tellement qu'ils avaient hâte de toucher à leur ordinateur. C'était une scène déchirante où... Il y en a qui s'étaient pointés à l'entrée, pas de billets, puis il a fallu qu'on les revire et il y avait des larmes. Ah oui! Là. Je vous jure, là. Là, c'est à ce moment-là qu'on a compris qu'on avait visé dans le mille. Puis, écoutez, là, on a tout fait ce qu'on a dit, là. On avait même une petite pièce de théâtre au début, toutes les activités dont je vous ai parlé, puis Minecraft! Mais... T'sais, est-ce qu'ils ont vraiment retenu quelque chose? T'sais, c'était-tu juste jouer? Bien, vraiment pas, en fait. Ils n'ont pas passé tant de temps que ça à l'ordinateur. T'sais, c'est pour toute une journée complète. Là. C'était de 9h à 4h le soir. Là. Pas tant de temps, hein? Au total, quoi, une heure chaque? À peu près, oui. C'est pas tant que ça, hein? Parce qu'il y avait toute la méthodologie. Il a fallu qu'ils retracent les plans au papier. Ils avaient plein d'activités, puis ils devaient échanger aussi l'ordinateur. Ils étaient deux par ordinateur. Fait qu'ils n'ont pas passé tant de temps. Mais la quantité d'informations qui est rentrée dans ces petits cerveaux-là, là, c'est phénoménal. Puis il faut penser aussi qu'ils étaient accompagnés de professionnels. Donc, il y avait 4 architectes, un archéologue, justement celui qui avait travaillé sur les lieux. Hein. Et puis, il y avait donc des gens en pédagogie, il y avait des médiateurs culturels. Là. Non, ils étaient vraiment armés, là, ces jeunes-là. À partir des vrais plans là, d'origine, là, photocopiés quand même, ils ont tout retracé en pied, en pouces, en anglais. Puis, on s'entend que c'est de l'architecture militaire. Là. Fait que le défi est assez élevé, merci. Puis, Minecraft, c'est des cubes, hein? Pas, il n'y a aucun angle droit dans ce petit phare-là. Fait qu'il fallait tout qu'ils calculent leur sinus, cosinus. Là. Franchement, là, il n'y a pas grand monde ici qui aurait pas baissé les bras par rapport à ça. En plus de tout le contexte historique, tout ça, ils ont appris, là, c'est fou, mais je pense que je leur laisserai la parole, David. Hein? Ah, oui, moins que tu aies quelque chose à ajouter, bien sûr. Bien, en fait, c'est ce qui est exceptionnel, comme Geneviève l'a mentionné, c'est pas juste la question du jeu. C'est toute la couche pédagogique qui vient en dessous de ça. On les nourrit à travers le jeu. Donc, c'est du pédago-ludique, si on peut appeler ça comme ça. Mais il y a des termes qu'ils ont appris, des méthodes de construction. Ils ont été plongés dans l'histoire vraiment. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient plus en 2017, ils étaient en 1865. Donc, ils ont compris le contexte, ils ont compris des termes d'architecture, des termes historiques. Alors, ils ont compris ce que c'est que le contexte militaire de la région de Québec aussi. Alors, c'est vraiment une journée d'apprentissage par le jeu. Alors, on les a pognés avec ça. Alors, ça a été vraiment du très bon hameçonnage. Tiens, regardez ça, justement, un jeune en action. Oups! Qui? Je suis fortin, là. Ah, voilà. Ah, il n'y a pas le son. Ça a comme moins d'impact, hein? Alors, ici, nous avons Thomas qui nous explique avec beaucoup d'énergie comment, tu sais, où est-ce qu'il est rendu dans son processus de création de plan, là, puis qu'il sait qu'il va falloir qu'il donne une méchante go en après-midi pour réussir à réaliser tout ce qu'il a prévu avec son équipe. Il y a aussi Anaïs qui est ici, qui est en train de vous expliquer... qu'elle apprend tellement d'affaires, puis que, dans le fond, les plans, là, c'est ça qu'elle a aimé, elle, faire. Oui, la construction, c'était vraiment cool parce qu'elle aime vraiment Minecraft, mais en fait, elle a vraiment travaillé fort, puis, tu sais, tout le travail d'équipe, là, elle a trouvé ça vraiment hot, puis elle a tellement hâte à l'année prochaine, quand on va pouvoir en faire un. Hein, je ne les ai pas écoutés, hein? Puis, j'ai aussi des témoignages d'adultes.
Donc, ici, on a Julie, qui, elle est architecte. Donc, elle devait, comme je disais, encadrer les jeunes. Si je retrouve ma souris, voilà. Alors, Julie, vas-y. Voilà. Donc, Julie a l'air vraiment enthousiaste et c'est parce qu'elle, ça, franchement, là, ses paroles laissent à peine transparaître tout l'enthousiasme qu'elle a à pouvoir juste encourager les jeunes, leur expliquer sa passion qui est son métier d'architecte, à travailler, à avoir les deux mains dedans, puis avoir tout l'intérêt que les gens ont dans ce qu'elle aime. Elle aussi, là, elle trouve ça absolument fascinant, puis alors qu'elle ne savait pas du tout dans quoi elle s'embarquait, parce qu'effectivement, je ne l'ai pas beaucoup briefée avant l'événement. Tout comme les jeunes, elle a juste plongé dedans. Bon, merci Julie. Puis finalement, vous avez Catherine Ève, qui elle aussi faisait un super beau témoignage de comment elle n'en revenait pas à quel point les jeunes avaient appris beaucoup de choses, puis surtout à collaborer en équipe. On revient à notre petite métaphore du bloc Lego. Là, vous avez votre piscine olympique de bloc Lego, puis tout le monde, toutes vous autres, là, vous devez vous imaginer que vous allez reconstruire un fort. Fait qu'il faut que vos petits blocs, vos petites parties que vous faites, là, faut toutes que ça fonctionne ensemble, hein, toutes la même échelle, tout ça. Alors oui, ça prend beaucoup de coordination et de communication. Et juste un élément. Oui. Vous savez que la plupart des jeunes arrivaient cette journée-là pour jouer. Hein? En fin de journée, je peux-tu jouer à Minecraft? Ben oui, vas-y. Alors là, ben, ils se font des blocs, ils détruisent, fait des blocs, détruit le petit frère, la chose de son petit frère. Alors, ils sont habitués de jouer. Et ça a été de voir les visages à un moment donné qui se sont allongés parce qu'eux, tout de suite, ils s'attendaient à jouer. Et on a péri une méthode un peu plus rigoureuse ou peut-être un peu plus dure qu'ils s'attendaient. Alors, ils ont appéri. Donc, avant même de toucher à l'ordinateur, ils ont touché à des plans. Alors là, il fallait apprendre qu'est-ce qu'on dessinait, qu'est-ce qu'on allait construire. On n'allait pas construire à l'aveuglette parce que tout le monde travaillait sur le même chantier en lien, en réseau. Alors, c'était drôle de voir à un moment donné, lorsque tout le monde a commencé à construire, « Oui, mais là, il scrappe ma construction! » Mais là, l'autre, il est à l'autre bout de la salle. Donc, ce n'était pas juste apprendre à construire, c'était d'apprendre à travailler aussi en collaboration avec des gens qui sont à l'autre bout. Puis aussi, c'était vraiment exceptionnel parce que là, c'était un laboratoire de sociologie phénoménal parce que, bon, on a des enfants, on sait comment ça fonctionne, ils taponnent sur leur affaire tout seuls sur le divan, mais là, ils étaient tout le monde dans la salle. Alors, c'était de voir la réaction de ce que je scrappe, c'est la patente de mon voisin qui est à côté. Alors là, bien, ils ont appris à travailler en collaboration, comment c'était sur un vrai chantier. Puis, on ne peut pas tout contrôler hein, lors d'un événement. Puis, il y en a des petits wise aussi qui sont un peu plus rapides que les autres. Puis, ils ont trouvé le cas d'eux autres pour tuer tout le monde. Alors, durant la journée, on a entendu... ça a popé un peu partout. Puis là, bien, les deux... Excusez, là, deux petits Chris. Ils ont appelé aussi que quand ils scrapent quelque chose, bien, ils ont la réaction tout de suite instantanée. Alors que quand ils sont dans deux chambres, bien, ils ne savent pas ce qui se passe dans les autres chambres. Alors, au niveau... c'est pas seulement au niveau historique, c'est pas seulement au niveau patrimonial, mais au niveau de la collaboration puis du travail d'équipe. Les retombées pédagogiques de cet événement-là ont été tellement grandes. Il y a tellement de couches qu'on peut rajouter à des journées comme ça que c'est une formation accélérée d'à peu près un an de pédagogie. Alors, c'est vraiment là des retombées exceptionnelles. Alors, excuse-moi, Geneviève, de cet intermède. En fait, je me demandais si toi, tu avais remarqué à quel point, même s'ils étaient venus pour jouer, au bout du compte, à la fin, il n'y a aucun des intervenants puis des jeunes, là, qui disaient qu'ils avaient joué pendant la journée. Oui, ils avaient construit. Ils avaient juste relevé des défis, ils avaient construit, ils avaient fait des affaires en équipe, mais il n'y a personne qui avait joué pendant toute la journée. Ils n'avaient pas conscience qu'ils jouaient. Le jeu, c'était comme effacé derrière le plaisir, le plaisir d'être en gang, la passion de faire quelque chose de merveilleux et puis de beaucoup plus grand gueux, en fait. Absolument. Là, on n'arrête pas de vous parler de ce qu'ils ont fait, là. Fait que si vous voulez bien, je vous ferai juste une toute petite présentation de 35 secondes sur le résultat de leur travail. Ça vous convient? Oui, super. Bon. Moi, je vais faire la musique avec des bruits de bouche. J'aimerais beaucoup.
Alors, comme Geneviève l'a mentionné, ça a été un travail exceptionnel pour les jeunes, mais aussi, Geneviève, ce qu'elle ne dit pas, c'est que tout le travail de construction de la carte, ça a été gigantesque pour refaire Lévis. Le plan topographique de Lévis en Minecraft, ça, c'est, ça figure parmi les grands exploits du monde actuel. Mais c'est la construction en soi aussi, là. Pour ceux qui ont été des habitués puis qui sont rentrés dans la structure une couple de fois, que ce soit les archéologues, les gens de Parc Canada, les gens du ministère de la Culture, on se retrouvait, on était capable de se retrouver dans la maquette Minecraft. Alors, c'était fantastique, puis quelque chose de drôle aussi. On leur a laissé un peu de liberté. Il ne faut pas seulement contrôler, puis être là. Puis là, on a dit, bien, écoutez, là, ce phare-là, il était camouflé, là. Il y avait un glacis. Puis là, bien, faut expliquer c'est quoi un glacis. Alors, un glacis, c'est fait pour camoufler la structure. Hein, camouflage, super! Fait que là, on s'est retrouvé avec des arbres, puis un paquet de choses sur notre phare. Alors, il faut laisser de la liberté puis de la créativité. Ouais. Alors, eux, c'était leur interprétation aussi du camouflage. On leur a même permis de tester pour voir si là, mettons, les Américains avaient vraiment attaqué, est-ce que leur phare en Minecraft aurait survécu? Fait qu'on a divisé la salle en deux équipes, les Américains contre les Britanniques. Ben, on n'était pas encore Canadiens, hein? Puis là, il fallait qu'ils se bombardent l'un l'autre pour voir si le fort allait réussir à combattre les assauts. Et le résultat? Oui, non, on n'aurait pas... On aurait Trump comme président. Oui. Et voilà. Fait que moi, ça vient clore la conférence de mon côté. J'espère que ça vous a plu.